Ah. Nzambe apambola ari papa. Sunga inzambe. Makamba zulinga te awana. Na matia toyoka ngo bien te. Mena lo yembo toyoka kango bien. Et c'est ça Dieu. Il t'a donné l'intelligence, mais si tu parles, il n'écoutera pas. Si tu frappes les rochers, il ne répondra pas. Si tu parles au rocher, il y répond. Respecte le mode opératoire par lequel Dieu veut utiliser la capacité qu'il t'a donnée. C'est ça la consécration. Je peux commencer à chanter et arrêter de prêcher. Mais vous ne me comprendrez pas. Pourquoi? Parce que je suis appelé, non pas à chanter, mais à parler. Et même quand Aïmanzi Moumoubou, je dois partir. Ok, ben. Sans que je t'aime, je dois partir de Rolanda. Je dois partir. Tu vas te retrouver au commis mécène, il y a produire des musiciens. En pleine jeunesse, il y a vocation. Tu vas te retrouver au commis de concours. Il y a des gens. Pourquoi? Parce que je dois partir pour ne pas vous faire du mal. Salut ma bébé, je dois partir. Ou bien, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je dois partir pour ne plus revenir. Je ne sais pas si je suis là. Ça vous fera moins mal. En tant que je ne sais pas si je suis là. Je dois partir pour ne plus revenir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qui n'a pas dit que je suis là. Je ne sais pas si je suis là. A tout le monde, bon, bah, on va payer, t'es. Je dois partir, je dois partir. Oh, j'ai pas. Bon, toute la nouvelle génération, bah, il y a un peu prophétie, il y a un peu de quoi? Kokisane. Nabasina, mi bali. Ce qui est dans le bien, on a le bac. Au moins, il y a un peu de la prophétie, il y a un peu de quoi? Zamba yebi singai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana, bato ba mona kite. Yamba souflinga, bikenda na veni Luka, na direction Birmani, derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komuna sali wana. Yango na ye. Po ye, Nzambe akosa kate. Ponga na yebi sanzame wana, so akosi ngana ye, tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Samsel Shek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Samsel Shek. Très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est bon, c'est que les solo, fait si vous avez ça, vous avez ça. 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 Merci. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui le suivez sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro comme d'habitude, encore nouveau. Transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alors pour vous qui n'êtes pas encore abonné, il suffit tout simplement d'aller sur le bouton où c'est écrit en rouge, s'abonner une fois, toucher une fois et aller juste à côté, vous verrez
une cloche, il suffit de toucher sur la cloche, vous verrez toute notification. Alors, touchez par là et vous êtes compté parmi nos abonnés. Alors, vous qui avez l'habitude également de nous suivre, ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Au contraire, partagez avec le maximum de personnes qui se trouvent dans votre répertoire et cela nous fera énormément plaisir et vous serez également bénis. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau, pour la énième fois, c'est un habitué ce plateau, quelqu'un qui parle bien, qui a une manière assez particulière de communiquer. Il s'agit tout simplement de l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Il est déjà avec nous sur ce plateau. C'est vrai que ça fait déjà une semaine de retard, mais nous allons quand même nous rattraper. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom à toi, apôtre des gentils Alain Délé. Puisse la grâce de l'Éternel être avec toi. Amen. Merci beaucoup, apôtre des gentils. Vous savez, le livre de Proverbes au chapitre 28, le verset 19, je paraphrase. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Alors, la révélation est définie selon deux sens. Le sens actif et le sens passif. Je salue tous ceux qui nous suivent à la maison. Nous allons parler de la révélation ou le livre d'Apocalypse qui est tiré du mot grec. Apocalypsis, c'est l'action de dévoiler ce qui est caché ou ce qui est inconnu. Et donc, à partir d'ici, bien-aimés dans le Seigneur, je vais retourner la parole pour gagner du temps à Alain Delé en vous saluant et en vous disant restez focalisés sur Apocalypse parce que la problématique de l'enlèvement est très bien abordée sur le livre d'Apocalypse qui d'ailleurs est divisé en trois grandes sections. La première section, celui qui a écrit le livre d'Apocalypse, il s'appelle l'apôtre Jean. N'oublie jamais. Mais la thématique abordée par Jean, c'est l'aboutissement des choses, de toutes choses. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a trois grandes sections. La première, c'est une section qui aborde une phrase que nous disons, ce que tu as vu. Donc, ce que tu as vu, nous les avons classés dans la catégorie des choses passées. Deuxième, Jean dit ce qui est. C'est ce que nous appelons les choses présentes. Trois, il dit ce qui doit venir ensuite. C'est la catégorie de troisième chose, les choses à venir. Donc, maintenant, dans Apocalypse, même Jean qui a écrit ses livres, quand je vois les gens dire que vous dites des choses qui ne s'accomplissent pas, ça m'étonne. Jean qui a écrit ses livres, il y a des choses qu'il a vues. Et il y a des choses qu'il n'a pas vues. C'est pourquoi il y a trois grandes sections. Il y a des choses que je dirais ici que peut-être je ne verrai pas. Parce que ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit venir ensuite, il est temps. Heureux ceux qui aiment les Écritures, parce que nous allons pénétrer maintenant le premier point avec l'apôtre des gentils. Mais ne soyez pas surpris. Vous vous réveillez un bon matin. Voilà le papier qui circule. Non, l'apôtre des gentils, Alain Delé, tient une conférence en Suisse. Oh. Apôtre des gentils, c'est en Suisse. On dit oui. Dès que vous quittez la Suisse, vous allez à Paris. L'évangéliste Roger Baka tient une conférence. Les gens posent la question. Tu auras le vaccin. Moi, avoir le vaccin. Je viendrai là-bas sans vaccin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi de nous suivre aussi la nuit, pendant le jour également. Un clin d'œil spécial à toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. En tout cas, merci, merci. Comme je vous ai toujours dit que ces magazines vous informent, vous avez également une formation et en même temps, nous vous proposons un divertissement qui est très modéré. Alors, c'est comme ça que nous évoluons. Homme, déjà avant de toucher notre point du jour, et il y a une personne qui m'a posé la question. Oui. Et l'évangéliste ces derniers temps est calme. Nous observons la musique chrétienne. Sinon, il est content par rapport à la marche des artistes et musiciens et les thématiques, les clips. Maintenant, ça va, il n'y a plus rien à révéler. Non, Alain Delé, tu as raison. Quelqu'un, je disais un jour à un frère et une sœur, j'ai dit quand le prophète te parle, Dieu s'éteint. Et les gens se moquent du prophète. Ah non, il raconte n'importe quoi. Ah, c'est la jalousie.
ils cherchent la célébrité. Maintenant, quand Dieu commence à révéler les choses que les prophètes avaient dit, les prophètes s'étaient. Pour ne pas commenter ce que Dieu fait. Mais y à boire et à consommer dans cette affaire de musique chrétienne. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit, deux, trois personnes m'ont appelé à l'issue d'une vision que j'ai eue de manière répétée. On m'a dit cinq serviteurs de Dieu du Congo, élevés en dignité, se sont convenus de commun accord pour t'envoyer quelqu'un à l'IFC pour t'empoisonner. Les choses que tu racontes dérangent énormément le système tel que ça se trouve aujourd'hui. Alors, moi, je pose la question. Si je suis dans les faux, pourquoi des tentatives de meurtre? Si je suis dans les faux, pourquoi des gens pour m'assassiner? Si je suis dans les faux, pourquoi vouloir envoyer des gens pour m'empoisonner? Jean 8 attendait dit, vous connaîtrez la vérité. Ce n'est plus le temps de cacher la vérité. Et nous allons énoncer la vérité jusqu'à la fin. Donc, je salue mes cinq pasteurs des églises de réveil qui viennent de siéger. Dieu vient de révéler votre dispositif que de pouvoir empoisonner et les gens en veulent. Et nous, nous savons que Deutéronome 34, 5 à 7, posons les fonds. Marc au chapitre 16, verset 16 à 17. Avalons les roues. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourit. Moi, je vivrai jusqu'à 120 ans. Non seulement moi, l'onction couvre l'environnement, Alain Delé les reçoit. Yes. Jordan les reçoit. Yoshi les reçoit. Gédéon. 120 ans. Nous allons vivre longtemps. Et la Bible ajoute, il n'avait pas perdu sa vue ni la vigueur de son corps. Il n'est pas mort de la mort de la main de l'homme. Complété par Marc 16, 16 à 17, où nous avons avalé les roues, nous avons posé le fond. Et l'eau que ça passe à moi. Ces garçons rend l'évangile difficile. C'était facile à l'époque où nous venions, tu pouvais raconter des histoires là, tu fais une démonstration de miracles et l'affaire est partie. Mais avec son histoire de poser le fond, le fondement, avaler les roues, le rouleau. Le peuple commence à nous demander, papa, on le dit, c'est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le mal sur le malade. Et le malade seront guéris. Imposer la main à un malade, à l'un d'eux, ce n'est pas le monopole des cinq ministères d'Éphésiens 4, 11 à 12. Non. Tout chrétien en Jésus est détenteur d'une puissance générale d'imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris. Apôtre des gentils, tu peux imposer les mains sur le malade. Parce que cela est la panacée où, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, tel sera le salut qui leur viendra de moi. Donc ça fait partie des promesses de tout chrétien, pas des hommes de Dieu seulement. Ils prendront des breuvages mortels, autrement dit des poisons, mais cela ne leur fera point dit de mal. Ils marcheront sur le serpent. Le serpent, c'est l'expression de la forme de la magie traditionnelle et scientifique. Franc-maçonnerie, rose-croix, écancard, cabale juive. Ils te chercheront la nuit, ils te ne verront point. Parce que tu marches sur eux, c'est un mal de la domination. Voilà pourquoi je te propose dès la semaine prochaine une émission qui va toucher à toute l'actualité. Oh, certes, la maladie. Nous allons poser le fond, le fondement. Par rapport aux écoles, là-haut. Nayoki Makam. Mais avant de lui, Kimia. Pendant que le rapport de l'humanité est venu vers moi, un prophète qui a ouvert une grande voiture à une femme, avec le prophète blanc, c'est vous-même qui faites vos bêtises, et après, Baka a parlé.
Quand vous faites des bêtises, Baka n'est pas là. Quand vous donnez des voitures à une femme qui a quatre fiancés pour que ça crée des bombes, Baka n'est pas là. Quand on t'a doté, psaume 34, le verset 1, la louange aussi aux hommes, hein, droit. Mais toi, tu n'as pas été dans la droiture. Quand nous allons restaurer les valeurs spirituelles inversées, Baka est devenu un pro. Voilà pourquoi la semaine prochaine, vous êtes garantis, mes frères. Vous aurez une émission intégrale où Alain Délé, en direct, évangéliste Roger Baka TV, en direct, nouvelle tendance, toutes les questions de l'actualité, y compris l'état des sièges. Ce sera un téléphone ouvert aussi. Bien sûr, bien sûr. Les gens doivent vous poser les questions. Les questions. Voilà. C'est à toi de définir les règles. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors déjà, prenez rendez-vous avec nous déjà la semaine prochaine. Alors nous allons vous communiquer la précision de la date. Donc nous serons en direct, bien sûr, avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Alors préparez vos questions. Vous allez poser toutes les questions. Vous aurez deux réponses à tout ce qui concerne l'actualité. Alors on va vraiment balayer tout. On va toucher à tout. Et restez branchés. Tout ce qui est en train de se passer, nous avons déjà cela. Alors, tout ce qu'il y aura comme vraie version sur le dossier prophète, mariage, patati patata, et voire même la nation. Donc, je crois, l'homme de Dieu va réagir. Mon frère, je peux te rassurer. Il y a des choses, des fois, que je m'abstiens de parler. Pour des raisons d'éviter des polémiques, parce que moi, on me cherche. Ça fait trois fois que je rêve d'une autorité hautement établie dans ce pays. Je dis bien trois fois. D'une haute autorité de cette nation. On s'est dit des choses. Il m'a dit des choses. Et je lui ai dit des choses. Mais je ne les dis pas à la télé. Mais, j'ai des choses à dire. À ceux qui pensent que je m'amuse, nous le découvrirons dans la suite des temps. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois que nous allons toucher sur l'Apocalypse. Le devoir. Le devoir. Et d'ailleurs, nous avons reçu beaucoup plus d'appels. Les gens disent que, vous savez que j'avais peur de l'Apocalypse. Maintenant, les gens commencent à aimer. Hein? J'aime même. Ils disent, mais l'Apocalypse, on sent que c'est clair. Donc, ça nous prépare déjà. Voilà. Comment ça Mais les gens évitent ça, pourquoi face à tout ça, parce que... Non, mais je suis content, Alain Delé, parce qu'aujourd'hui, je peux te rassurer. Que ceux qui ont crié sur la prophétie du 15 février, beaucoup sont revenus. Va à l'immigration. Va demander les taux des gens qui quittent l'Europe pour venir en Afrique. Incroyable. Va demander le taux des Congolais qui retournent à l'aéroport d'Ngili. Ah, je voulais saluer Alimia, qui est déjà à Kinshasa. Okay. Donc, mon frère, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu m'enlève l'opprobre que les gens voulaient me mettre. Ce qui reste pour les gens, c'est une repentance et une conversion publique. Que nous avons dit des choses, il nous fallait de la patience. Je supporte. Aujourd'hui, les livres d'Apocalypse étaient évités, Alain, pour le simple fait que Apocalypse, en grec, veut dire l'action de dévoiler ce qui est caché. Les livres d'Apocalypse avaient beaucoup de symboles. Alors les gens avaient peur des symboles, mon frère. Un être humain, j'ai vu parmi les quatre êtres vivants, qui était là? L'un avait la forme du lion. Ah, le monsieur sort. Il va dans les jardins zoologiques. Il regarde le lion, il regarde le lion. Lion! Ah non. Azongi. Oh, il avait la forme de taureau. Il rentre. Dans d'autres versions, c'est on dit veau. Il descend ici, la forme d'un homme. Il va là-bas, c'est un aigle. Alors les gens évitaient cela. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Qui a pris parmi les gentils un docteur de l'Évangile? Il nous a ramené l'apôtre déjà. Ah, la dernière fois, j'étais content de toi, Alain. Je te suivais, tu étais seul sur le plateau. Tu exposais le dossier de la problématique d'Orcas. Nous allons parler de ça, mon frère. Alain, tu as posé le fondement en pleine émission. Hein, dans la parole de l'Éternel. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, l'apôtre commence à venir. Malembe, évangile, un jour, vous entendrez parler de l'archevêque Gédéon. Bon,
On y va aujourd'hui. On avait laissé un devoir. Le devoir concernait Jordan. Il nous a présenté les quatre êtres vivants. Moi, j'entends les gens raconter ici. Oh, les quatre êtres vivants. Monsieur l'ami, les quatre êtres vivants. Bavani na kiti na yonzambe. Bazali kota tola. Oza monsanto yawe kumama. Na liziba ya metesta obiki sama diye. Papa na ngoka nina yo. Ole timbuya. Les quatre êtres vivants, wana. Oh, bah, y'a pas de et ça, non. Et la cuisine, non. Bah, y'a pas de malade, y'a pas de dans ta conception des choses, le quatre êtres vivants, veut dire quoi? C'était un devoir. Alain Delé, Apocalypse 4 et 6. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Et encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Et autour du trône, il y a quatre autres vivants remplis d'eux. Bato basa bemenya, trône yanza. Nzambe. Balobi bato basa combien? Balobi quatre êtres vivants. Vivant. Est-ce que balobi ba ange? Bible ben ba ange té. Combien ba ba ange nous té? Basa ba bato. Mais batongo basa ba symbole. Et la cuisine, posons le fond. Le fond. Avalons les roues. Le voulo. Hier, j'étais vers mon e-shop. Maman m'a dit, posons le. Avalons les roues là. Posons le fondement. Maman, ma c'est qui la Bible ici? Ici. La Bible, c'est une étape à état agronomique. Posons le fond. Le fondement. Pasteur au timing. Madame, mais tu ne peux pas, en fonction de l'article 1, interpréter la Bible par ta propre connaissance. Il faut deux, trois références bibliques pour enfanter la vérité. Posons le fondement. Toké Alende. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de devant et derrière. Ok, Jordan, Tobandi, verset l'année l'obinimi. Pesabiso. Le premier être vivant est semblable à un lion. Yaliboso va bengi moto moi dans la moto. A courir encore. Bon, maintenant, Jordan bimi ça. Moto moi dans la misu partout. Mon komi égal nkosi. Lion non misa qui dernier. Ah voilà, c'est ça. Toké. Le second être vivant est semblable à un veau. Toké malin ben. Je voudrais te donner Proverbe 28 19. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans. Sans si on ne révèle pas cette écriture, nous laissons les gens à marcher sans, sans frein. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas se retenir où ils sont. Où ils, sont. Ils ne savent pas où aller. Maintenant, les lions symbolisent quoi? Écoutez-moi très bien. Les quatre êtres vivants qui sont assis autour du trône représentent les différentes dispensations et le rôle que Dieu lui-même a joué dans l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le quatre êtres vivants représentent les différentes dispensations ou les différents rôles que Dieu s'est substitué sous cette forme-là jusqu'à ce que nous commencions le monde jusqu'au jour aujourd'hui. Bon, si c'est ça le cas, bon, les lions représentent quoi? Jordan, lion. Le lion, dans le langage de la Bible, représente le symbole de la majesté. Majesté, le roi. On considère Dieu, dans la première dispensation, comme une majesté. C'est la raison pour laquelle il représente à ce moment-là l'incarnation de la puissance et l'incarnation de la force. Mais le même Dieu représente le Seigneur de l'humanité, mais il faut faire comprendre aux gens, sur base des Écritures, où est-ce que cela est appuyé. Romains, chapitre 11, le verset 36. Romains 11, 36. Malamoro sauté dans Hébreu 1, 3.
On n'a pas le temps. Posons le fond. Le fond, non. Hosanna. Le premier être vivant ressemble au le lion. Le lion. Donc Dieu, au temps de la création, il incarnait la force et la puissance d'un roi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, ce roi-là, la Bible dit, il représente l'animal qui est le lion. Alors, il ne faut plus changer. Alors, on dit l'exemple de la roi. Tanga. Romains chapitre 11. 36. Verset 36. Hosanna. C'est de lui, par lui et pour lui. Hosanna yé. Nanzela yé. Et pour lui. Et pour Naye. Que sont toutes choses. Nabilo Rognon, c'est ça. Izali. Donc le lion représente le roi de la forêt. De la forêt. Ce qui lui a Zali, Neyaza. Pour Naye, et puis Naye. Et nous avons que le pouvoir créateur. On l'a dit bien. La puissance créatrice de l'éternel. En tant que sa majesté. Sa majesté. Sur Romains 8. Le premier être vivant que vous croyez, que vous voyez comme un lion là. C'est Dieu lui-même qui s'est donné une autre forme. C'est Dieu lui-même qui a cédé sa force à une apparition sous une dispensation. Bandé la partie, ça n'est pas bien. Romains 11, 36, c'est de lui. Et ça, n'ayé. Par lui. Et pour lui. Et pour n'ayé. Que sont toutes choses à lui la gloire dans tout le siècle. Amen. Donc, quand tu vois une nation, un président de la République choisi comme animal emblématique, les lions, c'est que cet homme, président, s'identifie à la force et à la puissance du lion. Pour dire que Nenga Vandiwana, nous devons remplacer Azat. C'est la raison pour laquelle les voisins s'appellent les lions indomptables. Bolongula est total. C'est pour dire que spirituellement, la nation est sous la domination d'une force et d'une puissance qui incarne les lions. Yango monaka, moka na moka, ami pesa kakombo yande, yanyama. C'est l'animal et tort. Donc ici, on imite Dieu. Mais ici, on nous informe que le être vivant que tu vois, assis sur le trône, avant du Kouna, Eza Moutouté, Eza Zambé Yemoko, Ami Pessi, Fort Naliboso, Yama Saraki Mouki, Yama Barabi Kenanzela Naye, Nyon c'est ça. Donc, Mokolo Mokili, il s'appelle les lions. Wana Zambé, la définition Mouta Saraki Mouki, si on se dit Zambé Saraki Mouki, deuxième forme, Zana. Zana. Avant enfin, là, les roues. Le rouleau. Posons le fort. Le fond. Non, mais s'il était. Parce qu'on entend Romains 11, 36. Maïa Romé les ébélés, papa. Hébreux chapitre 1, verset 3. Avant enfin, là, les roues. Le rouleau. Posons le fond. Attends, non, évangile à goût, hein. Évangile à goût. Hébreux chapitre. Hébreux chapitre 1, verset 3. Lisons la parole de l'Éternel. Tout gagné en bas. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hosanna. Et qui est-on le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, Aza, le col a reflet la gloire, naïe. Le col a empreinte, hein. Si on zoom isapi, on tient un papier, on zoom qui ancre. Ni n'a tigala. Empreinte. Donc, ce que Lyon a, Aza, le col a reflet la gloire, naïe. Donc, Zambé, Aza, Lyon, t'es. Lyon, Aza, le reflet, Zambé, Azoa. Si on zoom, on y passe, Azoa, il y a année de Lyon. Oh, pasteur. Yo zoom, c'est une année de Lyon. Mais Nzamba le baki azali nionte. Et ça le quoi la reflet mon quoi zoaki pour le sac à kela mouki. Mais yosko pasteur, au kela loko te. Ni par toi, ni pour toi, ni par. Au comme il y a une église, il y a une année de. Et vous savez matin. Parce que ce qu'on suit, on l'anticipe à tout. Le message du lion à l'église, c'est-à-dire que tu veux dire aux gens que tu viens de détenir le pouvoir de créer les choses. Parce que c'est par lui, pour lui et par lui que les choses sont faites. Donc tu ne peux pas. Tentative d'usurpation des pouvoirs de l'Éternel. Peuple avant de nous obéir à ma boko. Pasteur habite comme une année de lion. Le seul qui doit prendre l'empreinte du lion, la forme du lion, il s'appelle El Shaddai. Son nom c'est Yahvé.
YHWH. Un nom qui n'est composé que de consonnes. Et il n'y a pas de voyelle. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de la conjonction. Dieu n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. Dieu n'a pas besoin d'être ajouté pour être conjugué. Il se conjugue lui-même. Amen. Ah. Se conjugue lui-même. Il y a Maba Bengiye, l'être vivant qui ressemble au lion. De ce qui va là. De gagner temps. Deuxième devoir. Il ressemble à. Ah, ton monnaie est tatate. Ton monnaie est sa majesté. Moutassalignon. Il s'identifie au lion parce que cela symbolise la force et la puissance de la, du pouvoir créateur. Si quoi, le deuxième être vivant. Les quatre êtres vivants. Ma famille n'a quitté la Yosambe. Basali kota tola. Ayosa moussantou yawe koumama. Nani zibaya betes dan yo. Biki sa malandia ye. Papa nani ango ganina yo. Oto nanguya. Yo mo biki sa babelie. Babengi jova rafa ye. Loboko na yo mo kusete. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau. Dans la version Semeur, tu verras que lui ne parle pas du veau. Dans la version Semeur, il parle du taureau. Il ressemble à un taureau. C'est lui second d'ailleurs qui le dit. Si vous avez d'autres versions, vous verrez que la version second traduit le veau par l'expression taureau. Mais la version taureau et le veau est aussi l'image qui est utilisé pour symboliser les sacrifices. C'est un animal qu'on offre en ça. Un sacrifice. Donc, en d'autres termes, lorsque nous regardons maintenant le deuxième être vivant, qui est utilisé comme le veau ou le taureau, c'est l'image en sacrifice, digne d'un sacrifice qu'on offre. C'est-à-dire que Dieu va bientôt c'est sacrifié. Donc, Dieu va se sacrifier lui. Lui-même. Il y a dans la Bible que Jésus-Christ, on ne lui a pas ôté sa vie, mais il lui a donné lui. Lui-même. Ésaïe chapitre 53. Posons le faux. Seigneur Jésus. Donc, l'histoire de l'humanité était déjà écrite. Sur le trône de Dieu, les livres connaissaient le début, le milieu et la fin. Sur quoi on nous apprend que depuis que les quatre vivants étaient là, Dieu avait déjà dans son plan qu'il va se sacrifier. Ésaïe chapitre 53. Ok. Ésaïe 53. Ah non, Bible est là. Parce que vous voyez que les quatre êtres vivants, c'était le calendrier de l'humanité. Mais tu vas regarder ça, il y a une zamba au coma. Or, l'histoire est comme un manque. Total. 53 versets. Tu vas aller dans verset 2, papa. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. A tellement qu'il bosse la yemoko, le col en zété sangatina. Comme un rejeton. Le col en zété moko zobota. Il sort d'une terre desséchée. Yoka, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire que Dieu lui-même va se substituer en taureau. Donc le taureau est sorti de sa majesté. Donc, sa majesté qui a créé les choses, mais il s'est donné lui-même la forme d'un taureau. Donc, c'est-à-dire que sa majesté, il était sorti de lui-même. En prenant la forme maintenant du taureau. Pour dire à l'humanité qu'il y aura un sacrifice qui sera fait. Tanga papa. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il y a un taureau qui est un gombe. Il y a un taureau. Surtout sur la tête, la main est rouge, la Gédéon. Ah! Au moins, la tête, le gros. Petit corps. C'est que IGF a l'inalanda. Inspection générale des finances.
Il a pris l'image des taureaux. Osana. Bon, nous continuons le message. Maintenant ici, il représente Dieu invisible. YHWH. Bon, on va voir la carte. On a commencé à me voir les alakates. Bon, changeant, on a mis les nabino. Bon, comment Yahweh, YA. Et ça, on a hâté. Nous avons voyé l'été. Le moula, on a un exemple de Moussou, pasteur. Aussi, on a mis le à Dubaï. Aussi, on a mis le à Inde. Aussi, on a dit Yahweh, YA. Nous avons voyé l'été. On a toujours encore. Mais bien, on a été ta grand. Le moula. Ça, on a dit. On a dit le moula, le quoi. Oh, allez, papa, ce n'est pas le monde de frère, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, il s'agit de ton salut. Awa, il prend la forme maintenant du taureau. Or, le taureau, en le regardant au visage, il n'a aucune beauté pour attirer le regard de. Ok, papa. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre l'image à sacrifice? Trois. Il n'avait ni beauté. T'es tombé dans trois. Trois. Méprisé. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. C'est-à-dire sacrifice ne rognoncola. Sacrifice ne rognoncola. Il sera habitué par la souffrance de ça. Mais on parle de sacrifice pourquoi? Parce qu'il va ôter sa vie pour les donner pour les hommes. Pour les hommes. Vous comprenez que Jésus-Christ n'est que la reproduction de Dieu qui s'est reproduit. Oh Jésus. Quatre, mon cher, sautez. Cependant, c'est son souffrance qu'il a apportée. Donc, l'animal qui sera sacrifié prendra la souffrance des hommes. Des hommes. C'est un sacrifice. Si vous voulez continuer maintenant l'explication, vous verrez qu'en bas, tu verras maintenant, on dit pourquoi on utilise les veaux et les taureaux comme sacrifice. Cinq. Tout ceci. Cinq. Mais il était blessé pour nos péchés. Voilà maintenant. Le deuxième être vivant qui prend la forme des taureaux, qui prend la forme des veaux, c'est un animal qui sera sacrifié pour les hommes. Ok. Donc vous comprenez que Dieu lui-même avait dans le salut, dans son plan, un moment où il veut lui, en tant que Dieu, il va se donner en sacrifice. Mais quand il se donnera en sacrifice, sera-t-il toujours un taureau? Sera-t-il toujours un veau? Non. Celui qui viendra sous la forme des taureaux, c'est l'empreinte et l'image de Dieu, mais pour exprimer les sacrifices parmi les hommes, les hommes. Mais cet animal qui sera sacrifié, il meurt pour qui? Cinq. Cinq. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Na sacrifice ya ba pota o ya kozoka ne ba pota na biso bi. Donc il prend la forme du taureau pour illustrer que Dieu lui-même va devenir le sacrifice. Amen. Et quand il deviendra le sacrifice, il prendra quel effort? Quelle forme? Tanga Apocalypse 4 7 au longwe na deuxième être vivant. Dites ça on sale. Ah non. Apocalypse 4 7. Toke mon cher, nazako bangango mami. Le premier être vivant est semblable. Non, kitamba la mona troisième. Troisième. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Oh! C'est pas vrai, bandela. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être. Non, troisième. Il a la face d'un homme. D'un homme. Comment celui qui était sa majesté? Il est devenu le taureau sacrifice. Pour être ça, sacrifice. Va prendre la forme d'un homme. C'est l'abaissement. C'est la représentation de Dieu sur la forme I. Amen. Il est devenu un homme. Il s'appelle Emmanuel. Jésus qui est parmi les hommes. Donc Dieu avait dans son plan, il sera le roi, il crée le monde. Mais à un moment donné, il va se substituer en taureau pour se sacrifier. Mais en se substituant comme le taureau, il va prendre la forme d'un homme. Mais quand tu dis qu'il prenait la forme d'un homme, donc Jésus-Christ est de Nazareth. Quand on débat sur ce qui dit Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous venons de découvrir dans les quatre êtres vivants, Jésus-Christ n'est que la représentation de la faiblesse, de l'abaissement de Dieu qui était sa majesté, mais qui était devenu le taux. Ça y est, camarade, vous êtes là. Oh, il y a un peu de temps.
Si quelqu'un il prend la forme d'un homme, bah tu vas tout dire, oh mais il a dit l'accès à Jésus. Pour savoir que le majesté, le premier être vivant, qui avait pris la forme d'un lion, et qui s'est changé sur son trône, sous la forme de taureau ou de veau, pour symboliser les ça, en accord avec Esaïe chapitre 53, le verset ça, il est mort pour nos paix. Mais quand on dit maintenant, il devient le troisième être vivant qui prend la forme d'un homme, on nous dit qu'ici, exactement, il devient un homme. Maintenant, pour comprendre cela, la Bible va nous dire, hein, maintenant il faut regarder l'Éternel, poser la question. Dans Jean chapitre 14, le verset 16, tel que complété par encore Jean 16, 14, attesté par Proverbe 28 et 19, il doit être révélé. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Merci Saint-Esprit. Posons-le voir. Oh Jésus, l'ikabouaboye. Où est-ce que tu es? Papa, l'ikabouaboye, où est-ce que tu es? Nous avons dit que 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 nous avons dit Mon colo yeso akopambola ngai baka nani akoboya e. Mon colo yeso akopesa nga valere nani akoboya e. Mon colo yeso akopambola nga namboka nani akoboya papa. Yangonga na kozela ye. Yaka osale langai. Papa nga na kozela yo. Yaka osala ye. Hebele ba kozela kope mwana ngai roje. Hebele ba kozela koko ya ngai baka ina makasi na ngai te baba. Mbaka kope mwante o moli mosunga ngai. Moli mosunga ngai. Ngai na luki butu butu ngai na zwi na ngai esheke o. Yango na ye moli mosunga ngai papa ye. Parti asuka. Batele mi yo kotele manasuka. Ce qui balobi yo koloba na suka ye he poli loba na yo yangonde ya suka ye he tika to yemba po bayembi bakomi abali awa dot esilite abali koto abali koto yo dot esilite abali koto kona quatre fois mari baluba baluba te otunye nini oyibise ka ono o bible avait dit deux valent mieux que un. Oh, deux valent mieux que un. Oh, ce qui l'un tombe, l'autre le soutiendra. Yo, je vais le faire, papa. T'es papa. Et c'est exemple. Yo, je vais te poser le fondement. Ce qui dévalue mieux que un, madame, vous avez dit que je suis mort. Moi, mort. Ah, yaya, tu le bas qui est bon côté. La Bible ne peut pas être obligée d'une interprétation, père. Troisième, quatrième être vivant. Mais la troisième, déjà, il prend la forme des noms. Ce que j'ai dit, mon cher, il y a un Philippiens chapitre 2, verset 17. Verset 7, mon cher, avalons les rouleaux. Okay, verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même. Oh, qui s'est dépouillé? C'est le premier être vivant qui est le lion. Le lion. Il avait quoi? La force et la puissance d'un lion. En prenant la forme du taureau ou du veau, il veut maintenant faire ça, un sacrifice. Or, pour sauver l'homme, il faut prendre la forme de l'homme. Maintenant, en prenant la forme de l'homme, il s'est dépouillé lui, il s'est imposé des limites, lui qui est éternel. Bien. Lui qui est sans limite, il s'est imposé des limites. Parce que l'homme est limité dans le temps, est limité dans le. C'est lui l'homme des gens, chapitre 1, le verset 1 à 12. Au commencement était la parole, il s'appelait le pouvoir créateur. Et toutes choses ont été faites par elle, il s'appelait les lions. Et cette parole habitait parmi nous. Il représente maintenant l'homme qu'on voit dans la troisième dimension. En se dépouillant lui-même, il a ôté son pouvoir d'être éternel. Il est devenu un homme, un mortel. C'est pourquoi, à côté du trône, il y a les livres qui relatent l'histoire de l'humanité. Papa, il est là qu'à Bissot, chaque fois, toi, le Bela Niamawana, troisième être vivant, là qui s'est à Bissot. Alain Dele, pose le fondement. Philippiens chapitre 2,
Nous lisons le 7e verset. Mais si depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur. Qui? Dieu. Le maître. A combien Moussa? Moussa, lui. En devenant semblable aux hommes. Nagetemane yomelin kenyo yoro. Y'a mignon comme ma wampe, pas si. Henri, papa. Chapeau bas. Que Dieu te bénisse. Tu es le chantre de l'Éternel pour le temps de la fin. Quant au ministère de la parole, sors. Na mignon comme ma wampe, pas si. Yon di miko koma lisumu. Eroko yo salana nteo talanjembo imbaki papa nga papa. Henri papa. Tala. Talanjembo ki toko boye. Yomoto umeli na bo santu. Evan nga yata bo vansinga santan. Na koma njembo loko lari papa. Nga so yino pardon. Boko noko loko lari papa. Yemo kwa yemba. Na domen wana. Na kor de Christ baka azati. Ayemba kakaka pour edifier. Mais ministère na ye. Restaurer les valeurs spirituelles en vain, en posant l'effort, en battant les tam-tam évangéliques de la parole de Dieu, pour poser l'effort. Voilà parce que aujourd'hui, il y a un côté. Papa, au bête à l'ibako. Aux hommes de l'inzembo. Kuna m'embaya pas. Yon de mi kwa koma lisoum. Nero koyo salana nuteo. Voilà, l'être humain. Troisième être vivant, il a pris la forme d'un homme. Yon monte ou melina bon santo. E bandamoni yo komandi sumo. Yo yalama yo bongina yon monte ou. E zamande na merita ki. Sonyo yo. Oh oh oh. Sonyo yo. Nakani sinzele kuloso. Yon moponi ni bate bele boye o. Mbasangeli moto se moko. Ansali bango ni nye. Tala monsusu akamati soyi. Nya evele na monoko na yeo. Na sopi ya monse nelongi. Nelongi hoyo ya mwana na mpete. Oya mesana koseka. Oya mesana kolimbisa. Iya ya nama yobongina ya ngoteo. Eza mande na merita ki. Pasyo yo. Oh oh oh. Pasyo yo. Ah. Nzamba pambola ri papa. Sunga inzambe. Makamba zuri ngati awana. Na matia toyoka ngo bien te. Mena lo yembo toyoka kango bien. Et c'est ça Dieu. Il t'a donné l'intelligence. Mais si tu parles, il n'écoutera pas. Si tu frappes les rochers, il ne répondra pas. Si tu parles aux rochers, il y répond. Respecte le mode opératoire par lequel Dieu veut utiliser la capacité qu'il t'a donnée. C'est ça la consécration. Je peux commencer à chanter et arrêter de prêcher. Mais vous ne me comprendrez pas. Pourquoi? Parce que je suis appelé, non pas à chanter, mais à parler. Et même quand, je dois partir. Ok, ben. Sauf que je dois partir de Rolanda. Je dois partir. Tu vas te retrouver au commis mécène, il y a pour produire des musiciens. En pleine jeunesse, il y a vocation. Tu vas te retrouver au commis de concours à Batoua. Il y a des musiciens. Pourquoi? Parce que je dois partir pour ne pas vous faire du mal. Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Je dois partir. Oh, j'ai pas. Bon, toute la nouvelle génération, bah, il y a un peu prophétie, il y a un peu de temps. 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 Tous les musiciens, les verbes, je dois partir. Bon, tu comprends maintenant?
Je me suis dit, ah frère, je me suis tumboli, ma tumboli, te. Si vous avez un temps pour la parole de Dieu, vous avez un temps pour la parole de Dieu. Or, vous avez un temps de manière révélée. Mais si vous avez un temps pour la parole de Dieu, vous avez un temps pour la parole de Dieu. Toi, tu ne dois pas partir. Vous avez un temps pour la parole de Dieu. Je dois partir au Simba et les musiciens. Dieu va faire sortir une nouvelle génération. Et le grand pasteur renommé en nom, Nambokoyo, ils partiront. Dès l'air vivant, ils vont voir une nouvelle génération qui viendra paître les brebis de l'Éternel. En accord avec Ézéchiel chapitre 34, pour chasser les bêtes des champs. Voilà la phrase à l'aide de la lingaka. Les bêtes des champs. Maintenant, dans les devoirs, tu comprends ici, Colossiens 17, si il s'est tocoté à la quatrième, papa a toujours un an. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur. Ah, comme le roi la moussale. En devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même. Ami qui dit c'est mon corps. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Ti a couffé le coup. Si on t'en va le mettre, il avait pris la forme d'un homme. Ici, Philippiens, Colossiens 2:7. Alors, il a couffé le coup. Qui est l'homme qui est mort à la croix? Jésus-Christ. Donc, le troisième être vivant était déjà dans le plan de. Maintenant, comme on a fini le troisième plan, le Sa Majesté, le roi de gloire, est devenu un taureau pour les sacrifices ou un veau. Mais après la forme de l'homme, il s'appelle sur la terre Emmanuel. A commis quatrième dernier parce qu'il a fait comme ça. Pourquoi il devient quatrième? Parce qu'il a tout fini. Nous avons vu Jésus en tant que Dieu le Père, en tant que Dieu le Fils. Non, et tirer l'homme au mon corps. A soi qui forme, il y a lion, il y a taureau, ne l'on yamou, mignon mis ça te ko. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et le bini. Pourquoi un aigle qui vole? Qui vole. Or, lorsque Jésus est entré dans Jean, Maman Yoka, pour la baptiser, on a dit bien, à côté de la rivière des jours, à côté de la jambe, mais quand on a baptisé, parmi les deux signes, on a appelé ça qui Jean, que celui qui viendra se faire baptiser, et ça a des signes. Il y a les bossos, n'est qu'à côté du colo, à côté du pécana, mais si quoi, il n'est qu'à côté de la. C'est le para, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce que le Saint-Esprit Jésus a donné à la forme I. C'est-à-dire que comme Jésus est mort, ne croyez pas que ceux qui viendront vivre après Jésus, les démoutos, les déos, les mamas bibiches, les apôtres des gentils, les Yoshi, le Jordan, même les merveilles quand ils vont quitter l'église kimbanguiste, ils n'auront pas pour un Dieu un homme. Ils auront un dieu, un aigle qui vole. Il s'appelle le Saint. C'est à lui que Natron Yanzambe et Bandela Mokili. Tissou, alors monsieur Ko. Ça veut dire que Maram Tolo Baoyo, Tozo Beta Kakali Solo, il y a révélation des choses d'en haut, qui était caché de Raymond de Liboso, le loyer. Jean chapitre 16, le verset 14. C'est dit ça. J'aime l'Éternel. Jean chapitre 16, verset 14. Il me glorifiera. Qui? Nana retombe la combat Jésus. Quand est-ce que na 13? Quand le consolateur sera venu. Ah, le consolateur. L'aigle qui vole par-dessus le ciel. C'est celui-là qu'on appelle le con. Il sera avec vous jusqu'à la fin de. C'est-à-dire, commandant de l'eau. Covid ou pas Covid. Vaccin ou pas vaccin. Carnet de vaccination ou pas carnet de vaccination. Histoire de l'humanité, il contrôle toutes choses par sa parole puis puissante. Ah, le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mulimo ase? Asembo. Est-ce que ça mulimo anyoka? Est-ce que mulimo ana yoko témoigner du gorodo? Bon, yeso sidikani. Ngai na lobi. O muni lo ngana comprendre la kate. Est-ce que asa mulimo ya voyage astral? Est-ce que lobi l'esprit de l'argent qui sort dans les lits? Est-ce que tu as dit l'esprit? Il y a un mouton à sauter avant de politique. L'esprit viendra pour témoigner la vérité. Celui qui a l'esprit de l'éternel témoigne toujours pour la vérité. Il ne peut pas dire autre chose. Tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as posé le fondement. L'esprit de la vérité. De la vérité. Le consolateur, il fera quoi? Cependant, 16 ans. 14. 14. Il me glorifiera. A retombolanga. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Pour être à Rosoa Oizanga. Et vous l'annoncera. Na sautangi Jean 1. Au commencement était la parole. La parole. Parce que tant que le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, il prendra quoi? Au commencement était la parole. La parole. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Maintenant, celui qui était au commencement, il dit, il prendra ce qui est en moi. Le Saint-Esprit prendra quoi? La parole. C'est-à-dire, toute personne qui est investie par la puissance du Saint-Esprit, la première des choses qu'il montre au peuple, c'est la parole. La parole. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Quand vous voyez un pasteur commencer à parler de lui-même, il va usurper l'épouse de l'Éternel. Alina Bethem aussi, aussi. Ça, c'est... Vous comprenez, Rélo? L'épouse doit être... entretenu par la parole. Mais quand il dit, il prendra de ce qui est en moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être qualifié, appelé homme de Dieu, si tu n'authentifies pas les écrits. Les écritures, yes. Quelqu'un qui se présente, il dit, bon, là, n'a pas de verset, belé, n'y en a pas. Papa, pourquoi tu veux montrer ton incompétence et ton insolence et ton incapacité devant les gens? On dit que le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est en Dieu. Ce qui est en Dieu, c'est la parole. Mais des chants. Ce sont les bêtes des chats. Banyamayaza! Ah, papa. Pour la candeur, bêtes des chats. Oui, ben, je suis loin. Moni, impoli, affiga, papa. Oh, n'aï? Bon, c'est la toque. Deux pierres, tu vas faire ma soussa. N'aï, t'es. Bien, je vais faire ma finga. Mais bien, je vais faire ma qualificatif. Deuxième, deux pierres. Toque, deux pierres. Hein, pour la bête des chats. Bah, on a pas comment on soit bien là-bas. On va te limiter. Industrie? Industrie. La candeur, il faut battre dans ma poison. Lukinda ni kama monolithe ba zuite. Ogomi na depier. Depier zana suka. Ni logomi na rapidita utuze be kritira yo. Ogonyo kola bato na Swiss kuna. Depier. Ah, ce n'est pas possible. Depier chapitre 2. 9 tokita. Omo na suko yo. Pona ni ba okani la biso. Mais nous avons la qui bango ni la poisson ba ni ba tela ngamikolo. Oh ba si ba bongi si biso pe to bonde ni nzambe to kotikate. Oh ba tupe ba loti. 2 Pierre chapitre 2 9 tokita. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Nzamba ibi ko batela ngamikaka tano pe mi mekano. Les hommes pieux bato ba sotambola ko banga e. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc na ba yembe bongo ko bala ba si bele. Naba yembe ba si bola mbali bele. Naba pasteur ba osa ba vantir na mboko. Yeba kanza ba lobia soki bo kaneli ba santu bo sala bo mabe. Zamba ibi ndenya ko betisa bango. Ninga bikisi ngala likabala ndaki ngai 1 mois et demi awa. Bande ko nanga to vérifier makambo nyonso, il y avait que des pasteurs qui ont utilisé les autorités politiques pour éliminer la vie d'un homme avec une voiture immatriculée 10 mais qui est la matriculation de Batadi. Donc ba bombio awa, ba luki ba criminel baza, bazati, ba criminel ba son Batadi. Et Dieu m'a délivré. Et je dis merci à l'Éternel pour vos prières. Mais quand c'est que nous avons dit 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 que c'est surtout qu'ils vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux. Audacieux. Vous. Avant là, t'as pas bilamba qui t'aura là, t'as pas veste, on osumana. Alors se comparer là, musicien, on qui donne. À ça, midi, babi, ben on couvrage. Pour que nous soyons vouillés, pour y avoir diambe côté la monaco. Le pipi. Ah, mais c'est une sans ballon, mais bateau qui le bape qui ça. N'gamna lobi.
Baza la cour. Courage. Donc, bah, attends, vous. Vous, y'a vous, t'es dans le moins bien. Ok. Audacieux. Ah. Et arrogant. Ah, arrogant. Arrogant. Au moins, on t'a dit, non, t'as monté, y'en a peine, water. Si on a peine, il va se faire un zémi, ça, dans le quartier, mon homme dédié. Homme dédié. Homme dédié. Arrogant. Arrogant. Audacieux. Au commis, à Wandengue. Au tiabana, tu sais. Zémi. Comment tu peux avoir un tel projet de société? Bête de champ. Bête de champ. Arrogant. Arrogant. Oula. Courageux. Oda. Audacieux. Est-ce que même dans le lobby? Bien, même temps, je vais vous dire que 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 quand tu vois un homme de Dieu entrer dans la voie de l'arrogance, le Saint-Esprit n'habite plus en lui. Il ne craigne pas d'injurier le gloire. Azofing Nanza, Nanzambe. Ozon Mambazoloba, Ezofing Sanzambe, et Fingi Nanzambe. Ok. Tandis que les anges supérieurs. Naba, ange Batali Kolo Kuna. En force et en puissance. Bazala Mbouya Pema Kaskoleka. Ne porte pas contre elle. De jugement devant le jugement devant le Seigneur. Okay. Mais eux, semblables. Bêtes des champs. Donc, il n'a pas connu la transformation et la régénération. C'est un brut, un brut. Ok? Qui s'abandonne à l'air penchant. Naturel. Yanzo. Nzoto. Yango mona rasoa moni mona masika mbe bolibanda. Mbe bosa si la soite. Apeté mati. Consommateur de jeunes adolescentes. A votre rana basia ba drumer. O sakani bo drumer na ya botoli yo. Au tout pas au gars, pasteur, bam pâte babi de bilé, n'a biso, soit une tolia, tolia, n'a pas servi le cas à quatre. Ah! Brut! Toké. Et qui sont nés pour être prises? Bah, moi aussi, bah, bon temps, détruites. Bah, côté la moussa l'anzambé, bah, comme t'as laquelle, bon, ma bête. Bah, bon, ma déjà pour babé bissa, babé bissa. Donc, qu'on peut bissa, ma va passer dans la moukili, et ça programme yanza. Zambé. Et ça en qualité? Il parle d'une manière injurieuse. De ce qu'ils ignorent. Et ils périront. Par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir. En plein jour. Donc il a un caractère impudique, nocturne et diurne. Avant Matanachera Teya, il fait ça l'impie. Impudique. Non, on va bien là-dessus. Bah, on se livrait en plein. En plaisir. Au jour où on a 4 hôtels, on a dit oh, mais tel minéraux, il y a quoi mis. Oh, hôtel 5 étoiles, 4 étoiles. Moi, quoi, il y a un directeur à signer la bombe. Moi, on va attendre courant, partir en Nios. 19h, pa! Les catanes. Batou, batou, délestage. Il y a délestage de. Les oins dédiés. Montre en train de. À ce côté de l'hôtel. Son anime, pas. Couvre les catanes. Mon nom, le bano. Et ça, les marques. Il se livre, n'a pas bêtise, n'a pas en plein jour. En plein jour. Toqué, papa. Les hommes tarés. Hey! Tarés. Pétez-le, vous avez quand même ma casse. Essuyez. Balobi, l'embissa, l'embissa. Oh, moi, c'est MB. Ami, n'a pas moto. Amina tiana se o bengi batu ba taré soki nga na lo baki a o bak taré et puis suyé batu ba atambla na suyir na nzoto ati o loboko bo zaki na mbongo mbongo sini o zakolo ta bandota bi bani kolo ta bandota mabi ko ba mon cher il se délecte dans leur tromperie bango ba sakane sengotan ba soko sa ba batu en faisant
bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultères. Mais tu as la mis sur l'église. C'est quand même terrible. Ils ont les yeux quoi? Les yeux quoi? Ils ont les yeux pleins d'adultes. Oh, on est dans Paris, on a 4e arrondissement. Église Mounène, Manetti, Evandra a mis sur le terrain. Air offrande. Ils sont tarés. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux pleins de. Pleins de quoi? De suie. Pleins de convoitise, tellement malin. Donc, c'est-à-dire, à toi, là, tu jupes à Moulaï et Bombi Makolo, il sait voir par ton orteil les désirs de l'impudicité. Les yeux pleins d'adultère. Baba, il y a un qui est top. Ton mari joue avec les choses. Hein. Ça, ce sont les choses. Les yeux pleins de con. L'adultère. Pasteur, c'est ça, Moutoukino non? Ou là, tu soutiens la couleur de mon goma. Ah! Pasteur, soutiens la série là. Il y a Elamba. Donc, ils ont des yeux qui percent le mystère des couleurs des habits. Donc, à côté, tu les yeux pleins de convoitise. Mais lunettes, tu dis, mais c'est vrai, Nazo. Bible, la Bible, pasteur, ou en bas, comme tu as dit, tu as dit, le pasteur avec des yeux pleins de cons. D'adultère. Plein d'adultère. Donc, il y a su mourir déjà avant. Surtout parti en Dieu. Avec ça, déjà, moi, je suis en Dieu pour partir. Kulumuka, kulumuka. 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 Voilà, maman, moi, quand tu as joué, Terrier, les hommes pleins d'adultère. Papa, tu sais que ça m'a fini dans un qualificatif. Bah, ton bras sur lui, il a mandat d'amener. Une infraction et une prononciation des injures graves. Oh, père. Là, ils ont la Bible comme ce monde. Posons le vent. Le fond. Zonga, papa, n'a pas eu. Tout en a versé sur Katokoba. Les lots continuent à Apocalypse 9, 12, 11 à 12. Tenez ton sinistre. Et pensez combien de minutes? Que Dieu soit loué. Il reste combien? Il reste 15. 5 minutes. 10. Donc, dans 10 minutes, tu te sens aussi dit ça. Tu le fondement de Apocalypse chapitre 9, le verset 11 à 12. Ton cœur, bon, Jordan, j'espère que tu as beaucoup expliqué, que Dieu te bénisse, mais révélons quand même quelque chose de très important ici. On y va. Apocalypse chapitre 9, verset 11 à 12. Ouais. Ils avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible. Tu te rappelles, ce sont des sauterelles qui avaient maintenant ici le complément comme roi. Qui? L'ange de la Bible. La Bible. Continue. Nommé en hébreu. Abaddon. Abaddon. En hébreu, l'ange de la Bible s'appelle Abaddon. Et en grec, Apollyon. Le premier malheureux, le premier malheur est passé. Voici. Il vient encore. Il vient encore deux malheurs. Après cela. Donc, les mondialistes, dans leur plan, ce n'était pas seulement le Covid-19. Ayant introduit cette maladie qui a frappé toute l'humanité, il prépare encore deux autres malheurs graves qui vont frapper le climat. Personne ne l'a rappelé. Je vous avais dit qu'il se tiendra une conférence des climats. Et vous avez vu, je parlais des États-Unis qui aura deux mouvements à faire. Le premier effet. Il a convoqué le Conseil du climat avec 40 chefs d'État qui sont arrivés et 5 de l'Afrique.
c'était la conférence sur les climats. Maintenant, après cette conférence, il y a la préparation des deux malheurs qui va toucher les climats. Et quand ils se réunissent, ils donnent déjà des stratégies, des modes opératoires et des décisions générales qui seront appliquées dans tous les pays. Regarde, la France ou l'Union européenne décide de la carte vaccinale. La Belgique, après avoir traîné, vient de confirmer qu'il embrasse l'identité de la carte vaccinale. Donc, on les invite pour leur donner des instructions en leur disant, nous ferons telle chose bientôt. Nous, nous vous soutenons. Nous vous donnerons de l'argent dans vos pays. Mais, mettez en application ce que nous allons commencer. Maintenant, on dit que les sauterelles avaient à leur tête l'ange de l'abîme. Il s'appelle comment? Abaddon. Mais est-ce que les sauterelles ont des rois? C'est la question. Puisqu'on dit qu'ils avaient pour roi. Donc, les sauterelles ont un roi. Mais qui est ce roi? Il faut poser les fondements pour pénétrer la vallée de l'inspiration, aller jusqu'au plus profond de ces vallées, pour retirer les perles et les donner aux enfants de Dieu. Mais comment tu vas donner les perles si tu n'as pas le Saint-Esprit? Proverbe chapitre 30, le verset 27. Ah, Zamba Pambola, papa, la maman, Nyonso, ou Batine, la ganga, maya, comme elle, Milik. Moi, quelque chose, pendant son bail en bas, dans son bâtiment, monte, dans son bâtiment, Apollo, Zamba Pambola, vino. Dieu n'est pas injuste, il ne vous oubliera pas. Il m'utilise comme le prédicateur et ils utilisent comme mes jambes et mes pieds pour que l'évangile ne manque pas d'avancer. Proverbe 30, 20, 27. On dit les sauterelles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle Abaddon. Abaddon. Mais est-ce qu'on va savoir maintenant? Est-ce que les sauterelles ont vraiment un roi? Lis. 27. Les sauterelles n'ont point de roi. Oh! Bible, ça contredit. La référence d'Apocalypse 9, 11 dit que le sauterelle avait pour roi de l'abîme Abba, Abaddon. Mais Proverbe 30, 27 dit le sauterelle n'a jamais eu de roi. Ce roi, on a. Non. On voit la Bible. C'est une vaste forêt où tu peux entrer au clé, tu sors KO. Mais Abba, le roi, on va commander Abba, Abaddon. T'en as versé, mon cher. Et elles sortent toutes par division. Ah, mais ils sortent par division. Et c'est bien. Ce que tu vois, c'est que les gens sont en réalité. C'est les gens qui sont en ou bien, ils sont en. Mais pour tout maîtriser, ils sont en monde de banane. Parce que prochainement, le bête infernal démoniaque, je vous avais dit, les sauterelles représentent les démons. Bon, si les sauterelles ont un roi, c'est qu'il y a un ange qui est élevé en dignité parmi les démons qui fera son entrée sur la terre. Batoualo tiango baza. La moni namai nyamamoka tomboki a tomboki makasa zobima. Tomoni namoki batoualo nyamamoka outi na cimetière. Nicolo tozo ya. Un démon élevé en dignité va sortir pour faire son introduction dans la terre. Et il s'appelle Abba. Bon, maintenant si tu veux comprendre, les gens, groupe ya batoualo na bobisa démon na kouna bonda. Ouais. Ephésiens chapitre 6, c'est le verset 12. Voilà là, ce qu'a 10 minutes au lieu de 4. Ephésiens 6, 12. 12. T'es que papa. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ils ont dit que les Amérique, Europe, l'endroit où il y a un pays qui est puissant, ils vont attaquer. Non, cette fois-ci, on dit que ça ne sera plus le combat de la chair. Un roi de l'abîme va sortir, comme on dit, Abaddon. Mais c'est qui? Mais contre les dominations. Hein? Contre les dos. Les dominations. Donc, le roi de l'abîme qui va sortir, c'est un démon élevé en dignité, parmi les. Le dominant. Domination. Ok, parmi les. Moussous. Contre les autorités. Parmi les autorités. Contre le prince de ces mondes, hein? De ténèbres. Hein? Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, les démons anges supérieurs qui ont été chassés occupent l'espace céleste. Maintenant, à cause de la venue de la gloire de Jésus, ils fouillent la lumière de la gloire qui vient pour l'enlèvement. Parce que Jésus descend avec sa gloire. Quand il descend, la lumière a de l'avantage sur le ténèbre. Bazala qui ne s'y a pas. Le gros ami m'a bien lumière de bois qui va. Comme il n'a pas. C'est autant que Jésus a dit que je reviens bientôt.
Quand l'enlèvement va se faire pour que je revienne, c'est que les lumières, les autres qui sont célestes, qui sont dans ma belle. Tant que je suis belle, écoute, je ne pas. Faut pas s'en aller. Faut pas quitter. Si on a quitté, on a descendu dans la banque bandit, l'enlèvement n'est plus loin. Si tu veux devenir enfant de Dieu, comprendre ces choses que je comprends, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intellect. C'est par l'esprit. Et quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, immédiatement, le Saint-Esprit fait de ton esprit sa demeure. Et il te révèle, Apocalypse, l'action de dévoiler ce qui était caché ou jusqu'à présent inconnu. Dans les deux minutes, lis la suite. On l'appelle en grec Apollyon. Or, Apollyon, en grec, a une signification. C'est un verbe conjugué, Apolloni, qui veut dire. Pourquoi vas-y Abaddon? Parce que c'est Apollyon. L'un signifie quoi? Le prince des démons, celui qui est à la tête de la mort. Mais Apollyon, c'est un qualificatif qui veut dire encore le dévastateur. Mais pourquoi on donne des noms Apollyon et Abaddon? Devoir à dos? Le domicile. Dans la scotte, tu as devoir. Ils avaient sur elle comme roi. Bazaki na muto. La gira wa mokondi mo ala ti couronne, ala ti bien. L'ange de la Bible. Ba sotere. Ba na couronne. L'ange de la Bible. De la Bible. Comme on ni. Nommé en hébreu Abaddon. 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 Comment Abaddon Jordan? Ensuite. Et en grec Apollyon. Mais en grec ba bengi Apo. Apollyon. Comment démon moko élevé en dignité ana de comme na minoko mi bale. Na hébreu Abaddon. Na grec Apo Apollyon. Toké. Le premier malheur est passé. Yalibosele. Il est qui? Hein? Voici, il vit encore des malheurs après cela. Ma malheur ni balende koya nzela moko tant où Apollyon to abadonako akoya. Ezami ba ni balé. Ezami ni. Toké. Le sixième ange sonna de la trompette. Totelemi wana pour nous continuer la prochaine fois. Alende le temps bisaba tu Yesu. Yesu azonga enlèvement. Mutuma komelinga bi frère Roger. Parlez-nous plus de l'enlèvement. Oh. Bon, moi, t'es le belézani. Oh. Mais c'est ça le message de l'enlèvement. C'est le message de l'enlèvement de l'église. Bon, il y a un savon, comment se fera l'enlèvement, le mécanisme de l'enlèvement. Et tu es sur le là. Mais comme vous avez écrit, t'es le belé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous excusons de beaucoup parler en lingala. Mais sachez que quand nous parlons en lingala, c'est que pour faire comprendre ce que nous avons dit en français. Merci à vous tous qui nous avez écrit en Côte d'Ivoire. Cette émission est une émission que Dieu a donnée à l'église pour que l'église se prépare pour l'enlèvement. Nous allons administrer le salut ou nous allons aider les gens à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père céleste, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Le communicateur indispensable de la grâce. Moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plane dans le futur de ma vie. Plane dans le futur. Comme l'aigle qui est la quatrième créature. Comme l'aigle qui est la quatrième créature. Et protège-moi contre les attaques des mondes éternels. Protège-moi contre les attaques. Que l'Éternel te guérisse de toutes sortes de maladies en prononçant cette parole, de toutes formes de combat, et qu'il te garde contre les ruses du diable là où tu te trouves. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, que tu ne sois jamais atteint. Amen. Au nom de Jésus-Christ et les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre grand magazine « Comment décoder ?». Je crois que vous qui avez besoin d'être en contact, bien sûr, avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, le numéro est là. Voici le numéro qui est affiché au bas de vos postes télévisaires. Vous pouvez le contacter et si vous, vous l'appelez qu'il ne reçoit pas, n'insistez pas. Donc, faites un message. Quand il sera disponible, il va vous relancer ou soit et réessayer plus tard et il va vous recevoir sans problème. Amen. Vous qui avez besoin de le soutenir également, n'hésitez surtout pas. Donc, nous sommes très, très disponibles. Nous avons toujours besoin de vous et votre apport également qui pourra ajouter encore un plus.
Et c'est la seule façon aussi de contribuer à l'évangélisation. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, Alain de l'apôtre des gentils. Merci. Dans les jours à venir, Dieu permettra que tu fasses une conférence en Suisse. Amen. Et je crois que par là, peut-être Dieu permettra que moi je le fasse à Paris. Amen. Mais je n'aurai pas le vaccin. Voilà, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Voilà, vaccin. Non, je que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Alors, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Bac à Télévision et Nouvelle Tendance TV. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Bye. Je ne point dit juste abandonner ni sa postérité mondiale. Sans pain, sans pain, sans pain. Je ne point dit juste abandonner ni sa postérité mondiale. Sans pain, sans pain, sans pain. Oh, yébimote mananga. Yahweh. Ezalate musiko ina.